Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais j'allais faire quelque chose et puis je me suis dit tiens, pourquoi pas le faire avec eux. Donc on va tester ensemble un petit quelque chose que j'ai acheté chez Action. Pull moche du jour, enfin t-shirt moche du jour. Donc on a un renne, mais vraiment cool cool, parce qu'il a les lunettes de soleil. Là, c'est en matière un peu feutrine. Il a des boucles d'oreilles aussi, là. Une boule de Noël et du hou. Et c'est noté, je peux pas, j'ai Noël. Voilà. Alors, j'essaie de m'avancer au maximum pour qu'on puisse bien voir. Donc, je vais tester avec vous ceci. J'ai acheté j'ai du mal. Oui, je me suis couchée très tard cette nuit. Enfin, même ce matin, on va dire. J'ai scrappé après le temps de tourner la vidéo, tout ça. Il était très tard. Mais du coup, j'ai pas beaucoup dormi. Donc voilà. Ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à parler. Donc, j'avais acheté ceci chez Action au rayon enfant. 89 centimes. À ce prix-là, fallait pas s'en passer. Donc, en fait, moi j'ai acheté des grands diamond painting chez Action. Notamment, il y en a deux que je veux faire pour mettre dans mon salon avec les panthères, là, les panthères de Java. Parce que chez moi, c'est enfin dans mon appart, j'ai fait un petit peu un décor jungle. J'ai beaucoup de choses avec des feuilles de Montserrat. Et enfin, je vous ai jamais dit, mais j'aime faire de la photographie. Avant, je me rendais dans un parc en Belgique qui s'appelait Peridaïsa et où je faisais de la photo animalière. Et donc, j'ai quelques photos à moi. Justement de panthères de Java qui sont dans ma déco. Et donc j'avais vu ces deux diamond painting Action que j'ai pris, mais que je n'ai pas encore trouvé le temps de faire. Et là du coup, en voyant ça, je me suis dit tiens, si je prenais ça, vu que c'est un tout tout petit format, puisque c'est des petits stickers, c'est des têtes d'animaux, c'est des diamond painting mais stickers. Je me suis dit, ça me fera la main, parce que j'en ai jamais fait du diamond painting. Et je me suis dit, tiens, pour essayer, au lieu de se lancer comme ça, je me suis dit que ça serait pas mal d'essayer. Et donc, là, du coup, j'allais le faire là, puis je me suis dit, tiens, ben, pourquoi pas tourner et le faire avec vous. Il y avait plusieurs modèles, hein. Visiblement, il y a un QR code où on peut flasher pour regarder la vidéo. Bon, après, voilà, j'en ai jamais fait, mais je pense que j'ai compris comment ça fonctionne. Alors, à l'intérieur, donc, nous avons les deux planches de stickers. Donc, moi, là, j'ai pris sur les animaux. Donc, on a... un ours, un chien, une vache, un koala, un cochon, je ne sais pas ce que c'est, un lapin peut-être, une poule, un mouton, un hibou, un poulet, un panda et une grenouille. Voilà. Donc on a les petits accessoires, donc le stylet, la cire et puis le petit plateau. Bon, moi j'ai juste pris de l'avance. Vous savez, je vous avais présenté ça que j'avais pris à. J'avais acheté à Carrefour. Et donc là, ben, j'ai mis mes petites perles de diamond dedans. Puisque là, comme c'est pas un grand, je vais pas. En fait, je vais faire la tête par tête. Donc comme ça, j'ai vraiment toutes les perles à ma disposition. On a des instructions. Bon, j'ai pas besoin de lire. Normalement, on prend la cire et après. Enfin, je vais voir, je vais découvrir ça avec vous. Hein. J'en ai jamais fait, donc voilà, c'est vraiment l'occasion de tester.
Bon, je sais pas si vous allez voir grand chose d'où vous êtes. Va vraiment falloir que j'essaie de faire ce que j'avais dit là, de changer d'endroit pour pouvoir faire en sorte que je puisse filmer, vous savez, au-dessus de moi. Ça sera beaucoup mieux. Mais bon, pour le moment, j'y suis pas encore. Et là, malheureusement, les quelques jours de repos que j'ai, parce que j'ai travaillé à Noël, j'ai travaillé le 24, 25, 26. Là, j'ai quelques jours de repos. Mais voilà, on est déjà mercredi, c'est déjà bien entamé. Entre les trucs de scrap que j'ai à faire pour rattraper mon retard dans mes envois, j'ai franchement pas eu le temps de faire du rangement dans mes affaires de scrap. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Si on pouvait avoir des journées qui durent plus de 24 heures, ça serait géant. Mais bon, voilà. Donc oui, donc c'est une vidéo blabla. Alors, si je trouvais une petite pince pour tenir le, parce que j'ai pas envie de le retirer en entier, que ça colle de partout, je vais faire ça comme ça. Oui, ça sera bien. Alors, donc, si j'ai bien compris, normalement, on prend un petit bout de cire. Voilà. Ça de côté et je vais attaquer. Donc, ben, je vais commencer par la grenouille. Donc, pour m'y retrouver, bon, là, malgré les couleurs sont quand même assez différentes, mais j'ai coupé les petits chiffres pour mettre dans les cases. Je vais sûrement pas tout faire là aujourd'hui. Donc, je me suis dit comme ça. Hop. Alors, je vous la montre avant. J'ai pris la grenouille là, je pense que c'est le plus facile. Je vais essayer de m'appliquer. Hein. Je suis encore très maladroite. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, autant commencer par des petits trucs comme ça, avant de se lancer dans le beau truc que je veux que ce soit quelque chose de propre. Alors, le i. C'est celui-ci. Voilà, mais en tout cas, j'espère que vous allez vous passer de bonnes fêtes. Voilà, bon, bah, moi, j'ai rien fêté vu que je travaillais. Donc, c'est comme ça. Et vous, j'espère que vous avez bien pu fêter ça, que vous n'avez pas eu de soucis de Covid ou quoi que ce soit, ou autre chose, et que vous ayez pu passer ça en famille ou entre amis, enfin, comme vous le vouliez. Voilà, c'est vrai que c'est relaxant. Bon, là, je papote avec vous. Mais en fait, avant de m'intéresser au scrap, j'ai fait un tout petit peu de coloriage. Je ne veux pas dire colorisation parce que j'ai fait un petit peu de coloriage. Et c'est vrai que ben, pendant, on va dire, le confinement, ben, moi, je n'ai pas été confinée tout le confinement. Mais j'avais fait un peu de coloriage parce que j'en avais acheté. Et voilà, c'est un peu le coloriage aussi qui m'a amené au scrap du coup. Mais c'est vrai que j'aimais beaucoup, ça me relaxait. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même sensation qu'on a. Donc oui, là, c'était dans le rayon enfant. Oui, je regarde souvent ce qui se passe dans le rayon enfant. Des fois, on trouve des trucs sympathiques.
Je vais me trouver un peu nunuche là d'avancer à 2 à l'heure, mais je pense qu'après, plus on en fait, plus on a de la dextérité. Ouais, c'est relaxant. Hop, je vais en remettre parce que je n'ai pas pris assez. Donc voilà, c'est une vidéo particulière. Je n'ai jamais fait comme ça, mais voilà, ça me permet un peu de papoter. Enfin, papoter avec vous, non, parce que vous ne pouvez pas me répondre en direct. Mais voilà. Alors j'ai acheté aussi en diamond painting. Là, ils avaient fait des petites toiles du diamond painting sur Canva, sur toile. J'en ai acheté deux. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté le tigre et l'éléphant, je crois. Parce que pareil, je m'étais dit pour commencer. Me suis dit pour se faire la main avant que j'attaque mon grand truc, parce que le plus grand, je crois qu'il fait 60 sur, oh, je sais plus les dimensions, mais vous savez, bah, c'est les grands qu'on trouve chez Action. Et j'ai aussi acheté, à ce moment-là, je ferai peut-être avec vous aussi, j'ai acheté un petit diamond, bah, toujours dans le rayon enfant, un petit diamond painting, mais qui s'allume, en fait, lampe. Je vous montrerai ça à l'occasion. Je ne vais pas tout faire aujourd'hui. À vous aussi de me dire si ça vous plaît de temps en temps une vidéo comme ça. N'ai pas pris assez. Ouais, j'aimais bien faire un peu de coloriage. Avant, j'avais fait justement, bah, pour Noël l'année dernière. Vous savez, les coloriages sur toile. Je crois que c'est DecoTime qui fait ça. Et j'avais pris la girafe pour justement, j'avais colorisé et enfin, colorié. Je dis pas colorisé parce que je suis pas. Donc j'avais colorié pour offrir à ma tata. C'est vrai que c'est vachement apaisant. Et là, ben, j'ai l'impression un peu que c'est la même sensation. Et puis de finaliser, en fait, on est satisfait d'avoir fini son truc, en fait. Je vais lui faire ses petites narines. Alors, ah, mince. J'en ai un qui s'est sauvé. Il était collé à ma main. C'est pas tombé là, parce que là, ça tient bien. C'est comme un pilulier. Alors, C. Elle est où, ma lettre C? C'est là. Et du gris. Hop. Il me faut juste deux. Une, deux. Voilà, moi je ne suis pas une grande spécialiste comme on voit par exemple Camille, enfin Brico Camille qui en fait énormément. Voilà, moi je. L'eau débute, hein. Là, je fais ça calmement là avec vous là tranquille, ça me fait du bien, ça me déstresse. Quoique là, comme je suis en repos, ça va, j'ai pas de stress. Donc bah là, en tout cas, chez Action, ils ont sorti. Bon, bah, ils avaient sorti ceux de Noël. Avec, il y avait notamment des qui étaient phosphorescents. Alors, je pense que je vais reprendre un peu de cire. Oui, donc je disais, ils avaient sorti ceux qui étaient phosphorescents. Donc je ne sais pas. Déjà, est-ce que vous,
enfin mes abonnés ou ceux qui verront cette vidéo, est-ce que vous faites du diamond painting? Et donc est-ce que vous aviez acheté ceux de Noël avec les petits diamants phosphorescents? Là, je sais qu'en ce moment, ils font les tableaux. Genre, il y a la laitière, la jeune fille à la perle. Enfin, voilà, ils ont repris des... La Joconde. Ils ont repris des tableaux comme ça. Mets ma cire dans le stylet. Hop. Non, bah c'est sympathique. Ouais, pour se détendre. Bon, après, le truc, c'est que ben, soit faut les offrir ou. Parce que je pense qu'à force, on n'a plus de mur pour accrocher. Parce que là. Moi, je vous ai dit, j'ai pris les deux panthères. Et je crois que j'avais pris le paon aussi. Voilà. Donc, je suis partie un peu de traviole. Je vais en prendre un chopeux. Donc c'était quoi la lettre G? Voilà. Si ça ne vous intéresse pas, vous accélérez si vous voulez juste voir le final. Et puis bon, sinon, vous pouvez rester avec moi, papoter ou plutôt m'écouter. Donc voilà, je suis en plein dans. En train de ben, faire tout ce que j'ai en retard, comme on voit. Mes envois de Noël, bonne année, on va dire. Là, j'en ai un qui est prêt à partir. Mais ouais, j'aurais dû aller le poster ce matin, mais je suis pas sortie de chez moi. Donc là, j'ai pas envie de le mettre là parce que ça veut dire qu'il va passer le 31 et le 1er, je ne sais où. Donc j'attendrai. Le 3 pour le poster. Et puis ben, d'ici là, j'en aurai sûrement fini d'autres. Enfin, c'est pas que j'ai tellement d'envois à faire, hein. J'ai pas beaucoup de copinettes à qui je dois envoyer, mais je suis tellement longue à scraper. C'est que dans mon endroit exigu, je suis toujours en train de tout chercher. Des fois, j'ai les trucs sous les yeux, mais voilà, c'est tellement, entre guillemets, le bordel. Voilà, faut que je fasse un coup de rangement là-dedans. Mais bon, quand on range tout, dès qu'on refait une créa, ben, ça y est, tout est de nouveau dérangé. Voilà. Enfin, je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Rassurez-moi. Rassurez-moi. Parce que moi, pourtant, j'ai pas une tendance. J'aime que ce soit bien rangé et tout. Mais là, ouais, à chaque fois que je fais une créa, ben, je sors les trucs. Comme j'ai pas beaucoup d'espace, tout est dans des boîtes ou des trucs comme ça. Et ben, quand tout est sorti, c'est le capharnaüm. Le scrap, c'est une belle passion, mais ça prend de la place. Ça coûte cher. Heureusement que moi, je n'ai que ça comme passion. Je ne fais rien d'autre à côté. Hein. Je ne vais pas au cinéma, je ne vais pas au restaurant. Je ne fais aucune sortie, mis à part genre pour aller chez Noz ou chez Action pour mon scrap. Ou chez Cultura ou. Voilà, mais j'ai. Enfin, depuis le confinement, tout ça, enfin, même avant, j'étais un petit peu. Enfin, bon, je ne vais pas vous expliquer, mais du coup,
C'est vrai que ben je sors plus de chez moi, quoi. Donc du coup voilà. Mon argent ne va pas ailleurs que dans le scrap. Pas de resto, pas de ciné, pas de produits de beauté, de vêtements, mis à part mes pulls moches. Ça va, ouais, j'étais très. Ça m'arrivait d'aller chez Sephora ou trucs comme ça. Ou je faisais beaucoup mes ongles aussi avant. Tout ça, c'est fini. Donc voilà, maintenant, c'est le scrap. Bon, là, je me suis quand même un peu calmée. C'est comme je commence à avoir un petit peu de matériel. Mais je suis contente parce que là, je commence à utiliser, par exemple, avec mes dernières cartes, j'ai utilisé du glitter que j'avais depuis un petit moment, que j'avais pas encore utilisé. Et là, regardez comment ça a bien baissé dans ma bouteille. C'est bien. C'est bien. Et j'ai même là utilisé des dice que j'avais pas encore utilisés. Donc, je suis contente. Je sais pas combien de temps qu'elle va durer du coup. Hein. Je sais pas combien de temps que je mets. Je suis lente. Hein. Je suis lente. Suis désolée, j'ai des petits problèmes de cire au bout de mon stylet. Elle ressort. J'ai dû en mettre trop en fait. Ou je dois trop appuyer, je sais pas. Hop. Par contre, ceux qui sont confirmés, dites-moi une fois que votre diamond painting est fini, pour bien que ça reste fixé, si vous ne le mettez pas sous cadre par exemple, est-ce que vous passez un vernis ou quelque chose dessus pour faire en sorte que les petits diamonds ne bougent pas? Parce que moi j'avais fait toujours ces fameuses toiles. J'en avais pris une où c'était. C'était pas un attrape-rêve, mais c'était des plumes. Et donc, je l'ai colorisé, enfin colorié. Et il y avait des petits strass comme ça qui étaient fournis avec, à mettre, autocollants. Donc, je les avais collés dessus. Et donc, j'ai mis le tableau dans ma chambre. Sauf que, ben, ça s'en va. Il tombe. J'avais mis comme ça, donc, brut. Hein. J'avais pas verni ou quoi. Et les petits strass tombent. Alors j'ai peur que ça fasse pareil. Là avec les diamond painting. Donc dites-moi s'il y a une procédure. Est-ce qu'on peut mettre du vernis? J'ai mis la cire à côté. Pas encore pas assez. J'ai du mal niveau quantité à me rendre compte. Ça va couper parce que je vois que c'est tout noir dans mon écran. J'avais plus beaucoup de batterie. C'était pas prévu, je pensais pas la tourner quelque chose. Va accélérer un petit peu du coup. Ah, ça fait des. Heureusement, j'ai pris un petit truc comme ça, tiens, pour me faire la main, parce que mon grand truc, comme c'est pour mettre dans mon salon, j'aimerais quand même qu'il soit bien fait. Donc voilà, là, ça me fait la main au moins. Voilà, je suis en train de faire Kermit.
Sinon, j'espère que je pourrai vous tourner un peu plus de vidéos l'année prochaine, on verra. En tout cas, en ce moment, du coup, vous n'avez pas trop de haul parce que je vous dis, je suis quand même calmée. Il faudrait que je vous tourne quand même un haul Nose. J'avais trouvé 2-3 trucs chez Nose. Mais par contre, c'est vrai que là, je partage un peu plus de créa avec vous, du coup. Bon, je vous montre pas encore. Je vous dis, je me sens pas de faire des tutos parce que voilà, je suis pas une experte. Je ne suis pas scrapeuse confirmée, mais à l'occasion, oui, je ferai, comme je l'ai dit dans une autre vidéo là que je viens de tourner, ça s'appellera pas des tutos, mais des voilà comment je fais. Voilà comment je procède. Comment je fais à ma façon. Voilà, entre-temps, du coup, j'ai tourné une vidéo pensant la mettre en premier. J'avais tourné une avant, mais je pensais qu'elle sortirait après. Et finalement, non, puisque la personne a reçu. Donc, voilà, là, juste avant, j'ai mis en ligne la présentation de mon calendrier de l'après que j'ai envoyé à Roxane. Et du coup, ben, je vous invite, parce que du coup, elle va filmer ses ouvertures. Et ben, je vous invite, du coup, si votre curiosité a été piquée de savoir ce qu'elle va avoir, je vous invite à... Je vous reprends, parce que comme je le craignais, ça a coupé, comme j'avais plus de batterie. Donc voilà, là, j'ai rebranché le téléphone et on continue. En plus, il m'en restait plus beaucoup, il m'en restait que 10 à poser. Donc voilà, je vous ai attendu quand même, je ne l'ai pas fait hors caméra. Oui, donc avant que ça coupe, j'étais en train de vous dire, je vous ai fait la présentation du calendrier de l'après que j'ai offert à Roxane, Scrap Gogouette. D'ailleurs, je me suis aperçue, j'ai mal orthographié. Enfin, c'est pas que je sais l'écrire comme il faut, mais c'est l'écriture intuitive qui a pris et il y a le O qui a disparu. Donc je m'en excuse, Roxane. Au cas où tu regardes cette vidéo. Oui, donc je vous présente le flip tag où il y a les indices, mais je ne vous ai pas montré les cadeaux. Donc si votre curiosité est piquée de savoir ce que je lui ai offert par rapport aux indices, ben, vous pouvez aller voir sa vidéo d'ouverture. Là, elle a ouvert toutes les cases qu'elle avait en retard. Voilà. Donc, vous pouvez aller voir ça si vous le souhaitez. Bon, je reprends ma Kermit quand même. Ça va encore durer 300 plombes. Voilà, bah, en tout cas, ça me plaît bien le diamond painting. Moi, j'aime bien les choses minutieeuses, même si. Des fois, je suis pas très minutieuse, mais c'est vrai que c'est apaisant. C'est apaisant. Quand on a des trucs négatifs dans la tête ou qu'on est stressé, tout ça, j'imagine que ça doit faire du bien du coup. Hop, ah bah, juste pile poil. Allez, retourne-toi. Et voilà la dernière. Hop. Je vous montre ma petite garnouille. Ma petite Kermit. Elle est toute mimi. C'est trop choupinou. Ça pour les enfants, du coup, c'est génial. Hein. 89 centimes les deux planches. Quand même. Ça vaut pas le coup de s'en passer. Hein. Voilà, c'est trop choupinou. Donc voilà, mon tout premier diamond painting en direct avec vous. Quand je vous dis que je suis une grande enfant. Voilà, ben dites-moi si à l'avenir vous voulez plus de petites vidéos comme ça où je fais quelque chose avec vous ou si ça vous intéresse pas. Voilà, dites-moi un peu ce que vous souhaitez voir pour ceux qui me suivent régulièrement.
Voilà, parce que des fois, j'ai pas toujours d'idées. Bon, le problème est que moi, comme je peux pas vous sortir des vidéos régulièrement et tout, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, moi, je ne fais pas ça pour la course aux abonnés ou quoi, ok, c'est juste une question de partage, de partager avec vous, vous montrer un peu ce que je fais. Des fois que vous me donniez des conseils ou voilà, c'est juste simplement pour ça, puis ça me fait plaisir voilà de partager avec vous et voilà, le monde du scrap c'est de l'échange. Donc voilà, moi je fais juste ça pour ça, hein. C'est pas pour pour la gloire ou la richesse, je ne sais quoi. C'est voilà, juste pour partager. Donc voilà, ben dites-moi si vous voulez plus de petites vidéos comme ça ou pas. Voilà, je vous remonte ma petite grenouille. Elle est trop choupinou. J'ai hâte de faire les autres du coup. Allez, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je ne sais pas quand la vidéo sera mise en ligne, parce que là, c'est ma vidéo de présentation du calendrier de l'Avent de Roxane qui est en train de se charger. Moi, c'est toujours hyper long, hyper long. J'ai remarqué que quand je ne me mets pas en Wi-Fi, que je me mets enfin, quand j'enlève le wifi, ça va plus vite, mais quand je laisse par le wifi, c'est affreux le temps que ça met, quoi. Enfin voilà, sur ce, donc bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, je ne sais pas. En tout cas, profitez bien pour ceux qui sont en vacances, bon courage pour ceux qui travaillent, et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao. Bon, ben voilà, en fait c'est super addictif parce que ça vide la tête. Donc j'ai pas pu m'empêcher. J'ai fini la planche. Du coup, je vous montre. C'est trop choupinou. C'est trop, trop, trop choupinou. Franchement, pour les enfants, c'est extra. Même pour les grands. Hein. Donc voilà, c'est plutôt positif, surtout pour le tarif. 89 centimes les deux planches, franchement, il n'y a pas à hésiter là. Ouais, c'est addictif en fait, ça fait du bien, ça vide la tête. Alors, c'est pas bien parce que normalement je devais scraper pour mes envois pour rattraper mon retard, et puis ben voilà, du coup j'ai fait ça. C'est pas bien du tout, c'est pas bien. Je vais être encore plus en retard, mais j'ai pas pu m'empêcher, c'est addictif. Et mais bon, c'est vrai, ça m'a fait une petite pause, ça m'a fait du bien. Parce que si on scrape que par obligation et pas par plaisir, ça vaut plus le coup. Donc voilà, ça m'a fait une petite pause. Et ben, je suis bien contente d'avoir fait ces petits animaux là, tout mignons. Voilà. Allez, cette fois-ci, je vous laisse pour de vrai. Bisous, bisous, ciao, à bientôt. Bon ben voilà, j'ai pas résisté, j'ai fait la deuxième planche. C'est addictif. Et ça vide la tête, un truc de fou. Pourtant, là, c'est que des petits machins enfantins. Hein. Mais ouais, j'adore. Ouais, alors, au final, ça serait peut-être bien un écureuil. Ou un faon, ou un lapin. Je sais pas, il n'y a que lui, je sais pas ce que c'est. Là, c'est, on voit bien le cochon. Là, on voit bien un petit koala. Une vache. Un nounours. Un chien. Ma petite Kermit, un panda, un hibou, enfin il a une crête, alors c'est un coq, mais là c'est une crête aussi, donc je ne peux pas dire une poule, c'est un coq aussi, hein. Et un mouton. Donc non, franchement, pour 89 centimes, c'est vraiment sympa. Et ben, en fait, j'ai utilisé que ça de cire. Voilà, et il me reste énormément, énormément de strass. Ils sont hyper généreux en strass. Alors, est-ce que c'est habituel dans les diamond painting ou pas? Enfin, je sais qu'ils en mettent toujours un peu plus parce que voilà, c'est des petits éléments qui se perdent facilement. Mais là, je trouve qu'il m'en reste énormément, quoi. Énormément. Regardez les, le gris, le blanc. Le marron, là, il m'en reste
Bon, tant mieux, hein, ça va me servir dans mon scrap du coup. Pour quand je mets des petits strass pour faire des petits cœurs de fleurs ou quelque chose comme ça c'est génial. Du coup, franchement, pour le prix, ça vaut vraiment pas le coup de s'en passer. Et puis pour les enfants, je trouve ça vraiment hyper hyper sympa. Voilà, c'est trop choupinou. Et puis je me suis bien amusée, ça m'a fait une petite pause dans le scrap là. Parce que je crois qu'hier j'ai trop scrappé. Je m'en suis rendue malade. Et du coup là, ça m'a fait une petite pause. Bon, même si c'est pas bien parce que j'ai plein de travail à faire niveau scrap, mais bon. Ça m'a fait une petite pause qui m'a détendue et ça m'a fait du bien. Voilà. Cette fois-ci, je vous laisse vraiment pour de vrai. Allez, bisous, bisous, ciao!